le recommande, oui, je trouve qu'il y a un petit peu de longueur, surtout en ce qui concerne, donc c'est un petit peu répétitif. Je ne pensais pas qu'il avait une vie aussi dépravée. Enfin, je ne suis pas du tout choquée parce que j'ai fréquenté un petit peu tous les milieux, donc je suis choquée par aucune scène. Mais je ne pensais pas comme il s'abîmait autant et qu'il était autant maniaco, voilà, dépressif et destructeur. Mais c'est un film qui est bon. J'ai trouvé que les deux acteurs étaient formidables. Pierre Ninet, toute la lulure de Saint-Laurent, les épaules un peu en dedans, le regard par en dessous. Guillaume Gallienne qui a l'air presque viril. Le jeu des acteurs, très très bien, parfait. Bon, manquant quand même, ne communiquant pas l'émotion au spectateur. Il y a comme une séparation entre ce qui se passe sur l'écran et ce que l'on ressent. La partie Marrakech à la fin m'a moins plu, j'ai peut-être un peu moins reconnu, peut-être parce que je l'ai connue celle-là, enfin j'ai connu, c'est ma génération. Et je suis restée un peu sur ma faim, sur la fin, puis ça se termine abruptement. Mais enfin non, globalement j'ai quand même trouvé que c'était bien. Un film à voir, tout à fait excellent, je ne me suis pas endormie, j'ai vu tout jusqu'au bout.